Bonjour et bienvenue sur le plateau de Valeurs. Pour cette 35e édition, j'ai l'honneur et l'avantage d'accueillir une personnalité qui rend les gens heureux, ceux qu'ils dirigent, et qui a les capacités de faire progresser un groupe. J'ai l'honneur de citer donc Yanni Yalouz. Il est partagé. Voilà. Merci à toi. Vous avez été vice-champion d'Europe, du monde. Oui. Champion d'Europe, vice-champion olympique. Dirigeant donc de la Fédération française d'athlétisme, actuellement donc directeur général, de l'INSEP. Qu'est-ce qui a guidé, quel est le sous-jacent qui a guidé ce parcours hors norme? Est-ce que c'est la volonté de briller ou l'amour de l'équipe du drapeau bleu blanc rouge? Alors je dirais déjà c'est les rencontres, l'aventure humaine qui m'a emmené justement sur cette voie-là, tout simplement. C'est aussi les rencontres que j'ai pu avoir durant ma vie en tant que sportif, athlète de haut niveau, parce que c'est quelque chose, le sport qui vous permet de côtoyer et de rencontrer des gens d'un autre univers, d'autres milieux, qu'ils soient socio-professionnels ou sportifs tout simplement. Et je crois que ça, c'est très enrichissant pour justement pas être dans la consanguinité, parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément à notre avantage, mais c'est justement de s'ouvrir aux autres et comprendre les autres et qui permet un épanouissement et aussi d'être certainement plus sensible à certains aspects. Alors vous avez commencé par la lutte gréco-romaine, la gréco comme on l'appelle. La gréco. Qu'est-ce que la gréco? La gréco, c'est tout simplement, il y a deux luttes, tout simplement. Enfin, il y a trois luttes aujourd'hui, puisque la lutte olympique féminine a intégré les Jeux en 2004 à Athènes. J'étais dirigeant à cette époque-là, en 2004. La gréco, c'est tout simplement, c'est la lutte antique par essence. Pourquoi? Parce que c'était le premier sport olympique avec le pugilat, la boxe, tout simplement. Voilà, donc la gréco, c'est simple, c'est on essaie de faire tomber simplement l'adversaire sans se servir des jambes. Donc vous comprenez la complication. Donc, justement, est-ce qu'il n'y a pas eu une difficulté de passer de la lutte gréco-romaine à la direction d'une fédération d'athlétisme? Comment vous avez fait ce cheminement? Aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez courant, mais à l'époque, c'était assez audacieux, non? Oui, c'était audacieux de la part du ministre à l'époque, du président de la fédération à l'époque. Aussi de ma part, parce que je pense que je suis un peu suicidaire quelquefois. Mais on risque quoi, en fait? Quand on est sportif de haut niveau, on a une chose, c'est de savoir prendre des risques. Et les risques vous mènent à quoi? Juste, c'est des challenges. On a besoin d'être challengé au quotidien. Et je crois que c'est mon quotidien, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne m'était pas inconnu, l'athlétisme. Hein. Il ne faut pas l'oublier. J'avais des rencontres, quand je parle de rencontres et de rencontres humaines, tout simplement. Je côtoyais autant des athlètes, des kayakistes, des escrimeurs. Voilà. Ça, c'est aussi l'avantage. Je suis un enfant de l'INSEP, l'Institut National des Sports, que j'ai aujourd'hui la chance de pouvoir dont on va parler. J'ai la chance de diriger avec une équipe. Voilà, c'est un village olympique en fait, et on côtoie des sports différents, des cultures différentes, de milieux différents, et je crois que ça aussi, ça m'a forgé, ça m'a aidé à progresser aussi dans la vie. Le monde du sport s'accorde à dire que vous avez accompli un exploit extraordinaire, une fédération qui végétait depuis 1948 quasiment. A accompli sa meilleure performance avec 6 médailles. Et s'est classée quatrième fédération en France, derrière le judo, je crois. En valeur médaille, hein, pas en nombre de médailles. Parce que non, en valeur médaille, oui. Mais pour moi, c'est valeur médaille, c'est moi ce qui m'intéresse le plus, c'est oui, il y a les médailles. C'est comptable. Évidemment, vous comparez une fédération qui a 500 000 licenciés et Dieu merci qui vont faire 5 médailles. C'est tout ce que je leur souhaite. Aujourd'hui, je suis plus. Ce qui me préoccupe le plus, c'est ce bien vivre ensemble. Aujourd'hui, je n'étais pas allé au bout de ma question, Gabriel. D'accord, vous m'avez fait un bras à la volée. Ouais, c'est bien. Ma question, c'était quelles étaient les capacités qui vous ont permis d'accomplir cet exploit? Je veux dire, une fédération qui végète, je le dis, depuis 1948. Arrive à faire sa meilleure performance, quelle est la clé? La clé de tout ça, en fait, et je le redis, l'athlétisme ne m'était pas inconnu, comme ne m'est pas inconnu beaucoup d'autres sports. Voilà, je vous l'ai dit, la consanguinité, ce n'est pas mon truc. Moi, je suis un boulimique, hein. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre les autres, j'ai besoin de comprendre pourquoi on arrive à faire du canoë-kayak, j'ai besoin de comprendre pourquoi on fait de l'escrime.
Donc c'est de l'échange, c'est de l'humain. Mmh. L'humain, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on occulte. On se dit dans un monde de communication. Moi, je suis plus sur le fait qu'on est dans un monde de télécommunication. On va dialoguer par Internet, par Facebook, on a beaucoup d'amis. Voilà. Moi, ce n'est pas mon truc. Moi, ma réalité du moment, c'est de prendre du temps. C'est de prendre du temps. Aujourd'hui, je crois que la plus belle preuve de générosité qu'on peut avoir, c'est le temps. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que ça a aussi des conséquences sur ma vie privée, ma vie de famille, tout simplement, en tant que papa. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça peut être pris comme un défaut pour certains. Mais oui, je me laisse aller à ne pas compter mes heures humainement, tout simplement. Vous venez de parler du temps. Vous me donnez donc une clé pour poursuivre. Quand on parle du temps, il y a toujours son dénominateur qui est l'espace. Aujourd'hui, Vous êtes dans un autre espace. Vous êtes directeur de l'INSEP. Qu'est-ce que c'est que cette mission nouvelle et comment vous la voyez? Et est-ce qu'en ligne de mire, vous aviez Tokyo 2020? Bien sûr. Bien sûr. C'est les athlètes qui ont la ligne. Et c'est surtout eux qui ont comme objectif Tokyo 2020. S'il n'y a pas d'athlètes, je ne serai pas là. Je ne serai pas là. Et c'est les athlètes, les acteurs. C'est les athlètes qui font le système sportif, tout simplement. Il y a aussi les bénévoles, etc. Bien évidemment, les coachs, tout ce qui est l'environnement de l'athlète pour qu'il puisse s'épanouir et nous procurer du plaisir, de l'émotion. C'est l'avantage du sport. C'est-à-dire, ça existe nulle part ailleurs. Cette émotion, c'est quelque chose juste d'exceptionnel et qu'on connaît que dans le sport, qu'on peut connaître dans le milieu artistique, bien d'autres évidemment, mais je défends la cause du sport tout simplement parce que c'est celle que je connais le mieux. Et aujourd'hui, se retrouver à gérer un établissement de 300 employés, de plus de 1000 athlètes. On peut rappeler ce qu'est l'INSEP, l'Institut national du sport? Alors en fait, c'est un grand établissement avec plusieurs pôles. La maison du sport français. Vous avez Sciences Po, vous avez l'ENA et vous avez un grand établissement qui s'appelle l'INSEP où on forme des champions, mais pas que des champions, on forme des hommes, des femmes. Parce qu'il y a une vie après le sport. Le sport, c'est très éphémère. Hein. Une blessure, ça arrive et c'est fini. Le lendemain, vous n'êtes plus rien. Comme je le dis souvent, la gloire a plusieurs pères, la défaite est orpheline. Malheureusement, dans le sport, on est souvent orphelin. Parce qu'on perd. C'était de qui, ça, d'ailleurs? Ça, c'est... Je vais vous le dire. Je crois que c'est John Fitzgerald Kennedy qui l'avait dit. Ouais, je crois. Voilà. Et je m'en souviens parce que c'était en préambule dans ma biographie. Donc, j'avais intérêt à m'en souvenir. Non, tout ça pour dire que c'est essentiel que cet établissement puisse justement répondre aux besoins et à la singularité de chaque fédération, de chaque athlète, de chaque pôle, un pôle recherche, un pôle formation, un pôle médical. Toutes ces personnes qui donnent du temps justement à cet établissement, il faut les valoriser. C'est 300 ETP quasiment. Je ne vous dis pas le nombre de vacataires par rapport, surtout au niveau médical, ceux qui peuvent aussi intervenir au niveau de la recherche. Donc, à un moment, c'est de regrouper. Mm-hmm. De regrouper et de se dire qu'il y a cette symbolique d'appartenance et cette fierté d'appartenance qui est très anglo-saxonne. Et ma chance, aujourd'hui, pendant ces 8 années à l'athlétisme, aussi à la lutte, c'est aussi d'avoir découvert d'autres cultures. Ce qui s'est passé au Colorado, ce qui se passe en Australie, ce qui se passe... Et je pense qu'à un moment, tout ça m'a enrichi aussi pour, avec mon équipe, justement, créer cette symbolique d'appartenance et puis cette fierté de pouvoir appartenir à cet établissement qui est juste exceptionnel, qui est le vaisseau amiral du sport français, et aussi tout le grand INSEP, parce qu'on parle de l'INSEP, mais vous avez aussi ce qu'on appelle des crêpes. Dans chaque région, il y a des établissements où il y a les meilleurs champions. Par exemple, je vais vous parler de Martin Fourcade, mm-hmm. que tout le monde connaît, qui a un palmarès hors norme, qui est le porte-drapeau pour les Jeux Olympiques de Pyongyang. Mm-hmm. Autant pour moi, c'est très compliqué à dire. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'entraîne à Fort-Romeu. Et Fort-Romeu fait partie du grand INSEP. Donc, il est aussi sous la responsabilité du directeur général. Voilà, c'est ça la question. Tout à fait. Donc, alors, pour revenir à ma question, est-ce que les Jeux Olympiques, donc en l'occurrence Tokyo, puisque ce sont les prochains, constituent l'objectif ultime qui est le vôtre? Ou est-ce que vous avez la mission de faire fonctionner cet établissement dans toutes ces dimensions que vous venez de définir? Mais voilà, quel est le point le plus important? Quelle est la clé de voûte? Alors, moi, j'aime beaucoup la sagesse africaine. Et vous savez, il faut faire étape par étape. Ouais. Aujourd'hui, je compare toujours à une vie de famille, à une vie de couple, tout simplement. Aujourd'hui, l'établissement, il y a le personnel. Il y a le personnel d'établissement. Quand je suis arrivé, on m'a dit, voilà, gagner la performance. Évidemment qu'il y a de la performance. C'est l'objectif majeur, c'est la priorité de chaque établissement. Mais pour que les gens soient bien, pour que les enfants soient bien, pour que les parents soient bien, il faut déjà que le couple se sente bien. Wow.
D'accord. Donc forcément, c'est contagieux et l'enfant s'en sent bien. Et il est essentiel aujourd'hui de se préoccuper davantage sur l'aspect humain. Je vais vous donner un exemple parmi tant d'autres. Il y en a beaucoup. Sur les 300 employés, il n'y a pas d'équité homme-femme. D'accord. Il n'y a pas d'équité au niveau de la masse salariale homme-femme. Donc tout ça, je l'ai travaillé avec mon équipe, mais ça me paraît juste essentiel. Pourquoi ? Pour pas qu'il y ait de mal-être, qu'il y ait plutôt du bien-être. Toujours l'humain. Qu'il y ait de la transparence, qu'il y ait de l'humain, qu'il y ait du respect, tout simplement, qu'il y ait de la transparence. Et tout ça, c'est des choses essentielles qui sont la base pour pouvoir partir, justement, en toute sérénité, préparer les Jeux d'hiver en 2018, évidemment, et réussir Tokyo 2020, qui sera déjà un indicateur très important pour réussir les Jeux à la maison en 2024. Et vous avez fait exprès de me griller la politesse. Non, mais c'est exprès, je vous ouais, passe le relais, voilà. Mais je viens de l'atelier. Comment le directeur technique, comment le directeur de l'INSEP a-t-il vécu l'annonce de la candidature de Paris en qualité de ville hôte pour 2024. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Alors, j'ai eu le privilège d'être dans les 60 personnes qui étaient dans la salle pendant la nomination de la ville hôte. J'ai vécu Singapour. Singapour, j'en ai chialé, tout simplement, parce qu'on s'y voyait, on l'avait, on avait le dossier, on avait tout pour avoir ces Jeux Olympiques. On avait en face de nous une personne qui s'appelle Sébastien Coe, qui était lui le patron de cette candidature, qui la portait. Et aujourd'hui, on a un Tony Stanguet qui l'a bien porté, avec toute son équipe, hein, parce qu'on ne fait rien tout seul. Et la vivre dans ces 60 privilégiés, bah, c'est juste un moment unique, exceptionnel. Je pense qu'aujourd'hui, se dire qu'un siècle après, on obtient enfin les Jeux, c'est pas pour nous. Moi, j'aurais tellement voulu vivre les Jeux. J'ai vécu un championnat d'Europe chez moi à Besançon. C'était déjà exceptionnel. Je n'ose même pas imaginer ce que c'est que de vivre les Jeux Olympiques à Paris et à Marseille. Écoutez, on arrive au terme de notre émission. Je vais vous demander de conclure en regardant cette caméra, en indiquant, s'il vous plaît, Abdel Ghani Yalouz, ce que représente pour vous l'hymne national français, le retentissement de la Marseillaise. L'hymne national français, c'est une récompense pour moi. Je pense que ça ne devrait pas être une récompense. Il y a une forme d'inégalité sur l'hymne national. L'hymne national, pour certains sports, il faut gagner pour l'avoir, pour la mériter. Pour d'autres, on l'écoute avant le combat, avant le match. Donc je voudrais juste qu'il y ait une petite égalité là-dessus. Et je pense que quand on a l'hymne national, on a les frissons et on a juste envie de se surpasser. On prend conscience que juste, on représente la France. Je n'ai rien à ajouter. Merci beaucoup. Merci à vous. Respect. Merci à vous. Merci beaucoup.